Alors, les options. Qu'est-ce qu'on a de beau? Les options. Normal, c'est bien. Luminosité, ça vient d'être fait. Contrôle, normal. Ok. Commande de jeu. Alors, Fury, pose tactique. Menu du jeu, carte. Menu de pause. Changer d'arme, engainé. Attaque, attaque secondaire. Rond, esquivé. Croix, valider sprint. Okay. La commande. Ah bah plutôt un peu de musique là comme ça. Voilà. Allez, nouvelle partie. Normal, c'est pas mal. Hein. Bon, normal. Hein. Normal, ça marche bien. De chargement qui va bien quand même. Could you stand a little taller, just a tad? Like this? Yes, yes. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There. Now, hold the pose. Ah, oh, cet accent britannique. Original, ça. Alors du coup. En fait, c'est la même chose. T'as pas non plus masse de choix. Paye pour les cheveux, je suppose. Ah. Bien ça. C'est pas mal ça comme petits cheveux. Coupe mulet comme un touriste allemand. Des pattes, c'est très victorien. Je sais pas pourquoi il y a tout noir sur la face, on dit rapidement. T'as déjà fait le tour et c'est quand même très limite. Hein, et, si tu veux changer les couleurs. Les personnages avec les cheveux un peu gris. Pas mal ça. Voilà, ok. La broussaille. C'est bien ça. Donc, toujours très conventionnel ce truc. Ok. On est bien comme ça. Les vieux. Très bien. Alors, archétype de départ. Ah, ok. Alors, guerrier. Arme d'impact à une main. Lame à une main. Tir. Ok. Attribut recommandé. Force constite. Artisanat vigueur. D'accord. Technique. Piège. Tir. Lame à une main. Ce profil est axé sur le contrôle du champ de bataille. Précision. Agilité. Science. Crochetage. Ok, donc ça serait plutôt le rogue. Ça serait plutôt le rogue. Et magie, évidemment. Notre magie divine, stase, arme d'impact à une main, puissance, volonté, science, intuition. Mmh.
Donc, bon, guerrier, voleur ou mage. Ou ranger. Ouais, prendre technique. Science et crochetage, ça me paraît bien ça. Allez. Alors, point suivant. Point disponible 1. Ah bah, du coup, il y a plutôt intérêt à. Ah oui, c'est direct. Ok. Charisme. Et donc, vous avez dit quoi? C'était science, je crois. Ah non, crochetage. Ah oui, non, oui, c'était ça. Science, crochetage. Alors, science permet de fabriquer des potions simples. Détruire un crochetage me paraît pas mal. Commencer la partie. Allez, go. Just a few more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lord, out of my mouth. Your particularity gives character. You're still here? We've nearly finished. Have you any more need of me, master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Cet accent de fou. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Telemi and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. I beg your pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lord! You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir, truly. I must be going. My lord, please, I beg you! Her Highness has personally requested I finish this. Thank you, cousin, for getting me out of that. Alors, juste régler un point. Ah, mince. Ah si, ça y est, c'est bon. Ok. Ce petit souci de mute. Bon, la caméra est violente. Alors, du coup, ensuite... Parler à l'ouvrière. I'm sorry, I'm afraid that I won't make for good company. C'est quoi ce truc rouge qui flotte là? Pour dire où il faut aller. Oui. La caméra est... Hey! Green blood! Cut. And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your gold. Oh, enough with the cold mercenary. I know you like us. Hmm. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Ha! Kurt! I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Fight with honor! Ah!
Mince, évidemment. Et c'était plus peu. Ok. Ok. Non. Ah, c'est déjà. Ah oui, d'accord, je crois que j'avais pas fini. Vous avez perdu point de vie, oui. Pause technique, mais le genre pause est permis de choisir sa prochaine action tranquillement. Vous trouverez vos sorts, compétences et potions. D'accord. Ah oui, assigné. Ouais, par exemple, d'accord. Non. Ah, c'est triangle. Ok. Bon, on y va. Ah non, ah. Merde. Ah bah putain, à chaque fois je crois que c'est... Putain, à chaque fois je crois que c'est... triangle pour frapper, hein, forcément. Croix, je veux dire. Oh merde, ça c'était sûr, ça. Me who thought myself a competent weapons master. It's becoming a little hard to believe. Don't add insult to injury. This is humiliating enough. We'll need to get you through the basics or you risk getting your feathers plucked at the first sign of trouble. That could definitely come in handy. In that case, Otto here is going to be your training partner. Go, fight with honor. J'avoue que c'était de la merde ce que j'ai fait. Les armes à feu sont utiles pour interrompre le combat. Mais d'accord, mais c'est pas ça qu'il faut faire. C'est carré. Voilà. Ah oui, d'accord, donc t'as un groupe de compétences 1, un groupe de compétences 2. Ok. Pas mal tout ça. Tirez deux fois sur vos adversaires. Ok. Alors, le niveau d'armure physique est représenté pour les boucliers sur la jauge de vie. L'armure absorbe une partie des dégâts physiques. Pour briser l'armure, on peut utiliser des armes d'impact ou certains pièges. Les attaques magiques traversent l'armure. Ouais. Ça aurait peut-être été mieux de le savoir à la choix du personnage, ça. Ah putain, ce choix de merde. Oh putain, et c'est relou ça. Putain, mais il est relou lui. Je pense que j'ai pas choisi le bon. Putain. Ah, R2 pour poser un piège. J'ai même pas vu ça. Parce qu'il est con, j'ai même pas vu. C'est chiant ces trucs de tuto aussi où tu peux. Alors, la furie dans un état qui vous permet de lancer une attaque spéciale qui inflige un bonus de dégâts et déstabilise l'adversaire. Une jauge graduée qui augmente lorsque vous attaquez un ennemi et lancez un sort. Ok, dès que la jauge est en première gradation, les fusils apparaissent sur votre main. Ah oui, c'est ça que j'ai eu. Plus sur le pour lancer une attaque de furie. Bon. Bon. It appears we've brushed up on the basics. It does, and I'd like to be on my way. I've quite the list of things to do before we depart.
Indeed. Remember that you can always train in our barracks on the island if you're feeling rusty. Are your bags packed for the great departure? Yes. You know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. Sûr du fait qu'il se joigne au voyage. Allez, on va faire ça. On the contrary, I'm thrilled that both you and Sir de Corsillon are joining our party. A few friends at your side in unknown territory is a boon. Ah, so the old goat is coming too. And there I was thinking I would die of boredom on the trip. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night, and we haven't seen him since. You know, Konstantin, I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Konstantin together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. Ah, voilà, allez, on va aller voir maman. What is this? Have you not been taught to knock? Oh, l'état de la mère, toi. It's you, my dear child. Mother, I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill. Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to- I know. But it brings me comfort to know my son has left on a mission to heal his people. Come now. It is time for you to take leave. Here, take this with you. What is it? A family heirloom. Something that... Take it and keep it with you. May it bring you good luck. All my blessings go with you, my child. Now, be off. Et bon, dans un sale état. Maman est dans un sale état. Visiblement, on doit partir chercher un traitement sur cette île. Comme j'ai très très peu regardé l'histoire, je ne saurais pas trop dire. Ouvert dans l'histoire, mais j'avais été assez enthousiasmé par. The masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Konstantin first. You're right. Maybe he's already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parlamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Of course. Where is the supplier? In the lower boroughs, near the port. Right then. We'll put it on our list of visits. Ah, tu peux l'ajouter à l'équipe. Ok, d'accord. Pour toutes les caractéristiques, tu peux pas les changer ici. C'est menu, c'est beau. D'accord.
Putain, il est large le truc. Ok, le grand départ. Remède à Malichor. À la Malichor. Malichor, comment on dit. Ah, ok, la ville de Serene. Sirene. Donc je suppose qu'on va aller là. Évidemment. Ça a l'air balèze, hein, quand même. Composer son équipe. Alors du coup, il faut faire quoi? Ajouter l'équipe, du coup. Ça sent effectivement. Niveau dans l'action, méfiant. Ah, c'est bien ça. C'est un bon niveau dans l'action, c'est une bonne base. C'est ça. Devenir l'ambassadeur de l'Alliance du Pont de votre départ. Do you think Constantine will be waiting for us next to the ship? I don't know, but it's certainly worthy of inspection. Il y a des trucs qui volent un peu dans le... Des trucs qui volent dans, les... dans le ciel, là. Une espèce de suie ou je sais pas quoi. Cette époque un peu... de révolution industrielle mélangée du Moyen-Âge. C'était un peu c'est ça qui m'avait séduit c'est, sur les screens, hein, sur les différents trailers que j'avais vus. Ce côté un peu sale. Ah, qu'est-ce qu'elle veut la dame? Bien le bonjour. Ah non, c'est tout. C'est tout? D'accord, ok. Même pas une petite, petite kitounette annexe, rien du tout. Accès direct à la carte de la région. Vous pouvez accéder directement à la carte de la région en maintenant. D'accord, tu peux te payer au truc? Non, quand même pas. Blah. Négocier avec le fournisseur. Prévenir l'ambassadeur de l'Alliance du Pont de votre départ. Prévenir l'ambassadeur de Telem de votre départ. Négocier avec le fournisseur. D'accord. On va faire les choses dans l'ordre. Il y a un autre truc là. Ah mais dégage toi. Non. J'ai vu un truc à s'afficher dans la barre au-dessus là. Et bouge, te dis-je. Quel con. Voilà. Alors du coup, on va aller. Bon, on va pas se prendre la tête, hein. On va suivre le truc. Oh, putain mais cette caméra. Il n'y a pas moyen de la. Contrôle. Ah, sensibilité caméra. Peut-être un peu moins parce que c'est. C'est pas possible quoi. Même là, je trouve que c'est quand même encore un peu. Ah oui, c'est parce que j'ai pas fait sauvegarder quitter, c'est pour ça. Je me disais, je n'ai eu aucune différence, forcément. Ah voilà, là c'est mieux quand même. Ça évitera de faire dégueuler tout le monde. C'est bien urbain. C'est découvert la place des princes. Où visiblement ils sont en train de faire un beau barbecue. Et donc c'est ici. Ah, et qui rentre sans pression chez l'ambassadeur. I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Tirfredi. My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame. I had thought... Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A brilliant future awaits you. They say that it is a marvelous island. Please convey to your cousin my congratulations and sincere wishes for success. You seem slightly hesitant. Please, tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene. A charlatan passing himself off as an alchemist. Do people actually give credence to these lies?
Alas, yes. They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, Excellency. And I am pleased to see you have taken so well to your new functions of diplomacy. The man operates in the city center. He is said to be clever and mean. Be careful. Mm-hmm. Alors, interrogé sur l'alliance du pont. Tyr Fradi. Les rapports avec Thelem. Leur rapport avec la congrégation. Donc il y a une espèce de triangle un peu d'alliance. Would you be so kind as to tell me what you know about the Bridge Alliance? With pleasure. A legate needs to know the history and strengths of his allies. The alliance was sealed by several nations of the Bridge around 200 years ago. The greatest of our cities, Al-Sard, became the capital, and a council formed from the different nations now rules. This union was originally put into place to better resist the appetites for conquering our neighbors, but our ancestors quickly realized that the union had also strengthened us economically and culturally. And of course, exchanges in knowledge were strongly encouraged from the outset. Today, it is by no means an overstatement to claim that the Bridge Alliance leads our world in science and exploration. Each day, we push the limits of our understanding further in each and every domain. Ok. Et donc du coup, leur rapport avec la congrégation. Dis-nous tout. Understanding of the relations between the congregation and the bridge. Our relations hang essentially on the quality of our trade and commerce. The exchanges are very profitable, especially on the cultural front. I will not hide from you that we have hoped you would join our number for quite some time. But your princes insist on maintaining a neutral stance between the congregation and the other nations on the continent. It is by all means a respectable position, even if it means you also trade with our enemies. Ok, donc tout n'est pas rose quand même. The Bridge Alliance has been on Tyr Fradi for much longer than we have. What can you tell me? It is true that we founded Hikmet, our newest city, around 15 years ago now. Alas, I haven't been able to go there myself. I can only tell you what others have reported to me. It is a luxurious island. An enormous dead volcano thrones in its center. The vegetation is extremely varied, and the fauna wondrous. We discovered animals that we had never ever seen before. Some are bigger than houses. But they're not the only occupants of the island. A savage and crude people also live there, who speak an incomprehensible language. But you shall discover all of this for yourself soon enough. C'est ce que j'allais dire. Ouais, de toute façon, on va voir tout ça. Et le rapport avec Thelem, donc. Ah. It has been dragging on. In fact, it has been dragging on for years. It is madness. If those bigots hadn't gotten it in their heads to convert the entire continent, we wouldn't be in this situation. But that's the way of the world. We shall not waver. Whether here or on Tyr Fradi. Have you been fighting battles there as well? From what I've been told, Teleme has wisely and tastefully built their colony far from our city. Direct conflicts are in fact quite rare. But one day they will inevitably take place. Ok, donc Telem, c'est les bigots, quoi. Ça marche. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Ça marche. Qu'est-ce qu'il y a dans sa petite maison là? Ah ouais, tu peux pas monter. Ça c'est fait. Bon, alors on va essayer d'aller trouver le... Ah, il y a une alternance un peu aujourd'hui. Non. Ok. Du coup, on va aller trouver l'autre alors.
On va aller trouver l'espèce d'escroc là. La zone de recherche, trouver le charlatan. Tu fais comment pour rechercher ça? Ah. Alors, pièce d'or, potion, munition, on va tout prendre. Qu'est-ce qu'il nous vend lui? Ah ouais. Un vieux fleuri moussé. Masse de força. Donc du coup, mais de toute façon, c'est assez limité. J'ai choisi l'espèce de ranger là. Je vais prendre que celui-ci, bon. Qui est moins fort que celle que j'ai déjà. Ok, super. Je peux changer de chapeau. Ouais, c'est les armures. J'ai combien d'argent? 2. Ah, effectivement. C'est plutôt limité. Ah, plus tard, quoi. Ah bah tiens. Citizens, I present to you Panacea, the absolute cure of everything. Bah, une bonne tête de charlatan. Stomach ailment and even an open wound. This potion heals all of that. And more still, this little phial is the product of years of research and intensive labor. I hear you asking if this remedy can heal one from the Malachor. Alas, not yet. But your question is legitimate. I am so close to finding the cure. But the Malachor isn't the only ailment causing you to suffer. Not true? Then don't miss out on this chance. And give yourself a healthy and energized life. Rejoice! A phial only costs a few coins, and well worth it to make your life shiny and new again. Does it really heal everything, your potion? Ah, il y a toujours des teubés, hein. Absolutely everything, except the Malachor, of course. That being said, it is known that those in top health resist the Malachor best of all. Then don't throw away this chance. Think of all the pains that this potion could help you avoid. You are right. It's a deal. I'm gonna take two. There's a man that knows a good deal when he sees one. T'auras juste mal au cul après une fois que t'auras acheté ça pour rien. Allez. In this day and age, I can't blame you. What might I do to convince you? Demander une démonstration? Pourquoi pas, ouais. Se renseigner sur les affaires indésirables. Bon, c'est un peu bidon, ça. Will you drink one of your potions to prove your good faith? Of course. I take a little sip every morning. But, as I'm in perfect health, you won't be able to verify the improvement in my condition. Ouais, c'est un peu logique. If it helps you make up your mind, give me just a moment. As you see, I am still in excellent condition. Come on now, I saw you take that vial out of your pocket. Nothing proves that it's the same potion that you sell to your clients. As a man of science, I consider skepticism a remarkable quality. But in your case, it is not skepticism, but blindness. We need to steal one of these potions and force him to drink it. Brilliant idea, Kurt. Let's take a look at his cup. Ouais. Du coup, où ça... Elle est où sa chariote, lui, là? Ah bah, elle est derrière. Mais non.
Attends, R1 pour ranger. Voilà. Alors, les contrôles du jeu. Il n'y a pas de souk au caisse, non? Tuc 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 tuc, bah non. Ouais, faut juste faire le tour. Ah bah voilà des trucs à récupérer là. Cahier de recherche alchimique. Ces pages sont couvertes d'une petite écriture à demi lisible. De compte rendu d'expérience, d'observation, de patients et de symboles incompréhensibles. Cependant, la complexité de certaines recettes ne laisse aucun doute. Son auteur est un véritable alchimiste, possédant sans aucun doute de grandes connaissances. Ma foi, très bien. Note de l'aubergiste à la servante. Louise, ce drôle d'alchimiste de l'Alliance qui a loué la chambre à l'étage, a demandé spécifiquement à ce qu'on ne la nettoie pas durant son séjour. Ce vieux fou doit craindre qu'on ne lui casse ses fioles ou je ne sais quoi. Alors laissez-le mariner dans sa crasse, le client est roi. Ah. D'accord. Ah. Merde. Ils sont tout seuls. Ah, attends, c'est carré. Tiens. Comme ça t'es tranquille Pénin et du coup tu te fais vieille pèlerine de cuir. Bah ma foi c'est très bien ça. Est-ce que ça va suffire ou est-ce qu'il va falloir qu'on aille à la... Non, on a besoin de rien. On a surtout besoin de se rappeler comment on fait pour aller dans l'inventaire. Voilà. C'est cela même. Planisseur, journal, carte, équipement, chapeau de départ. Non, c'est pas ça. Tenue de voyage. Ah, c'est ta notion d'équilibre là. Pèlerine de cuir. Voilà. Très bien. Les bottes de soldat. Très bien ça, bottes de soldat. Fous-nous la paix, toi. Et deux armes. Ah oui, d'accord. Et du coup, tu peux changer ces trucs à lui aussi. Ok. D'accord. Ça marche. Voilà, on va retourner voir notre pote l'alchimiste du coup. Ah, un petit côté Bloodborne avec cette pèlerine. Tant qu'il va refermer son étole. Ah non. Présenter le remède dans sa possession. Ouais, on va faire ça. When you have just admitted to being a thief. Come now. You can see for yourself that I'm gladly returning your vial so that you might drink it in front of witnesses. This might help to dissipate my doubts, as well as those of these brave folk. Yes, no, I... You don't have the right! Damnation. He got away. He can't have gone far. Find him before his head ends up on a spike. To the note that we found. We need to take a look at the tavern. He won't leave the city without his belongings. Ah oui. Logique.
Logique, logique. Allez, on va aller voir l'aubergiste. Ah, qu'est-ce que c'est ? Pièce d'or qui traîne comme ça, normal. Good day, tavern keeper. Good day to you. What is your pleasure? L'interroger sur le commerce, la Malicorne ou Tiens Freddy. Bah c'est pas pour ça qu'on est là. On va d'abord retrouver notre ami le charlatan. On papotera après qu'on ait retrouvé l'autre charlatan là, du coup. Donc il doit être quand même curieux ça. Les chambres elles sont forcément à l'étage. J'ai pas vu d'escalier, ou alors j'ai mal regardé. Ce qui est possible aussi. Je me dis que c'est une petite pièce pour les rendez-vous. Coquin autour d'un bronche d'opium. Hop. Tu peux voler lors des badauds comme ça, c'est très bien. Ah bah voilà. Chewy métallique, donc forcément du craft. Les cuisines. Crocheté, niveau 1. Ah bah oui, tiens. Est-ce qu'il y a un petit... Ah non. Il n'y a pas de QT. Clé de l'aubergiste. Allez, on va tout prendre. Utiliser la clé. Ok. Bon, au moins on peut passer par là. Très bien. On va aller dans les étages, on va essayer d'aller choper l'autre. L'autre naze. Non. Non plus. Bon. Ah bah voilà. Bien le bonjour. You again? What are you doing in my room? I'm not the only one that has found you. Have you seen the mob that is gathering in the street? I'm neither deaf nor blind. By the spheres. Why didn't I leave the city while there was still time? The Alliance ambassador is quite unsettled by your commerce, and he is the one who sent me. Sahin. Him again. Ruining my career wasn't enough for him. He's the very reason I had to leave the Alliance. And here I am, playing the part of the potion maker. Me, who was once a respected member of the Academy of Al-Sad. Why does Sahin bear you such hatred? I was unfortunate enough to oppose certain great minds of the Academy. To criticize their methodology, I saw them inflicting torture on sick prisoners, making them drink the most vile poisons. To find a remedy to the Malachor, they won't hesitate to kill. I could not keep my silence. It is for an act of courage that you fell from grace and earned Sahin's hatred. Logique. Ou pas. Are you not ashamed to have poisoned those poor souls? These potions are not harmful. That is to say that they don't contain any harmful ingredients. But you could just as easily produce real healing potions. So why don't you? You don't understand. I fled. But I haven't put a stop to my own research. This potion is an attempt to create in those who drink it a resistance to the Malachor. So you manipulate people to use this experimental fodder. That is completely unethical. I don't have a choice. But it does not harm them, I assure you. If this potion were inoffensive, then why wouldn't you drink it when I offered it to you? I ran tests on myself for such a long time that I ended up becoming intolerant to it.
A small sip of this mixture provokes in me now a violent reaction. The mob would have been furious in any case, but a normal dose, I assure you, is without risk. Le mec, il parle de l'acharnement de Sain, mais après, il se fait des cow-boys en pleine rue, quoi. C'est des comics, ces petits scientifiques, quand même. That doesn't surprise me, coming from him. I was a master alchemist. I understand if you don't believe me after all that, but I have a number of documents to prove it. I would still be one if Sahin hadn't set off a chain of machinations to disgrace me. Your methods don't seem so different than those of your colleagues. I don't torture people. And this potion only has side effects in high doses. Perhaps, but you're hurting innocence. I cannot let your commerce continue. So, what are you going to do with me, sir? L'aider à quitter la ville ou le mettre aux arrêts. Bon, on n'est pas des bâtards. On va l'aider à quitter la ville, quoi. I'm going to help you leave the city, but you must promise never to return. I swear it. Very well then. I need to first get you away from those who want to see you hanged. If we can't find a way to sneak out of here discreetly, we will have to confront the populace. I haven't lost hope that I'll be able to help them hear reason. It would be better if I remain hidden while waiting. Ah, d'où la porte de service, d'accord. En fait, c'est bon, on a réussi à on va sortir. Did you find a way to get me out of this hornet's nest? Yes, I need to get you out of here. I have unlocked the service entrance. You will be able to sneak out of there discreetly. Without being skinned alive by the mob. You need to remain prudent. I will escort you to your cart. I follow you. Let's sneak out the back. Ah merde. Ah oui, la foule. Quel blaireau. J'ai pas négocié. Bon, on verra bien. Bien, bien, merde, tu vois. Niveau gameplay, je m'attendais un peu à mieux quand même. Ah, petit médecin. Voilà, ensuite. On va passer par là, je suppose. Non, tu peux pas l'ouvrir. Attends, j'ai ouvert la porte de service. Ah, tu peux peut-être passer par là, moi, non? Donc c'est blanc. Ah, c'est ça. Donc il s'est fait défoncer. Ah oui, ça y est, tiens mon... Tiens, la furie. On va voir un peu ce que ça donne ce système de combat sur du long terme. Ah, c'est déjà pas mal. Tiens, j'ai récupéré un truc là. Alors, l'équipement. Qu'est-ce que j'ai récupéré? 189. Pas mal ça. Artisanat. Ah, tu dois pouvoir les améliorer en fait. D'accord. Angry Customers. C'est pas trop ça moi là. J'ai pris cher quand même. Alors, on y va. La potion de soin, très bien. Gants renforcés de soldat. Ah, est-ce que je peux les donner à mon autre pote, là, du coup? Relation. T'es méfiant avec tout le monde de base, quand même. Hein. J'ai pas vu ça. Gants. C'est là, je crois. Non, ah oui, gants de soldat renforcé, donc ça c'est ce que je viens de choper, je pense. Oui, ça du coup. Donc l'équipement est partagé, ça c'est plutôt pas mal. Hein. Chapeau de bandit, chapeau de bandit. Ok.
Donc je pensais que tu pouvais faire un espèce de truc tactique au niveau des combats, mais en fin de compte c'est tout dans la... Tu peux lui parler? Tu peux lui parler, il est là. Voyageuse, ah non, voleuse. Voilà, ça c'est fait. Ah, dans le dos, si tu fais plus de dégâts quand même. Hein. Carrément plus de dégâts dans le dos. Pauvre Alchi. Je sais pas s'ils peuvent le tuer, j'arrive pas à trouver sa barre de... Sa barre de vie, en attendant. Par contre, on va pouvoir vendre des trucs. Notre pote le marchand. Oui, il brille. Talent, force. Pour dépenser, point disponible. Non. Alors, je pense pas que tu puisses le faire pour tes collègues, hein, du coup. Ok. Allez, un peu zappé de négocier avec la foule en colère là. T'es con, toi. Ouais, c'est par là, de toute façon. C'est pas bon là, il faut le ramener vraiment à son chariot. Bon ouais, on te ramène à ton chariot. My car, finally. I owe you my life. How can I ever thank you? Just do us the favor of never coming back and stop this deceitful commerce. Have no worries about that. I'm not going to forget this lesson anytime soon. Move along now. Get out of here while there's still time. Would you accept this as a token of my gratitude? Farewell, my lord. Ah bah voilà, très bien. Allez informer l'ambassadeur de l'Alliance. Ah, c'est bien ça. Retourner directement à l'ambassade de l'Alliance. Nickel. Ça évite des allers-retours un peu inutiles quand même. Your man near the coin guard barracks. Finally! Did you capture him? Let's just say I put an end to his activities. His reputation in Serene is forever tarnished. Matters turned out a little more complicated than anticipated. Couvrir la fuite de la chimiste, le confronter à son mensonge. Ah, c'est Zedwin, ça va? Ouais, c'est moi. That man is part eel. We followed his trail to the Coin Guard Tavern, but he had already escaped. All the same, you have nothing to fear. He will never step foot in Serene again. We'll eventually catch up with him and deliver the punishment that his crimes deserve. Governor Burhan will be happy to learn that such an amiable legate will soon cross the shores of Tir Fredi. Thank you for your help, Excellency, and allow me to offer you this modest gift for your voyage. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Parfait, niveau 2. Ça avance, ça avance.
Ah tiens, j'ai pas fait gaffe ça. Ambassade de Télim. Enfin de Télim, pardon. Faut les entendre parler en anglais, je fais du franglais. Alors du coup, les quêtes, ça donne quoi? Le grand départ. Ah bah justement, ambassadeur de Télim. De Télim. Donc c'est par là, si j'ai pas dit de conneries. On est bon, c'est par là. Passe devant le barbecue. Bonjour. Good day, Excellency. Sir de Sade, to what do I owe the pleasure? Monsieur Richelieu. I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tirfredi on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about it. And perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that. But I'm sure my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing. But it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You're hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. Donc pour rappel, hein, Télim, c'est les fanats de la religion du coin, quoi. Ah bien, justement, on peut leur poser la question. Could you tell me anything about Télim? It would be a pleasure. As you already know, our glorious nation is guided by our faith. We follow the teachings of Matthias, our founder and greatest prophet. And give thanks each day to the Luminous for having gifted us magic. The high dignitaries of Télim are at the same time our spiritual guides, advocates, and grand mages. I've heard say that dissensions have appeared recently in your nation. Ah, surprenant. You must certainly be speaking about the debates that have divided the Ordo Luminous and the more political orders. The Lord Luminous has an extremely pure vision of our faith and applies the words of our saint very strictly. But other, more open-minded factions exist within our nation. They believe that a less rigid dialectic would attract souls more readily to our faith. But their differences are purely theoretical and do not threaten the cohesion of our nation, I assure you. Le rapport avec la congrégation à la situation de Télim sur Tirfredi. Ça va être intéressant puisque c'est là où on doit aller. How is Télim faring on Tirfredi? We built a marvelous city, San Mateus, on the western coast of the island. Did you know that certain historians believe that it might well have been the final resting place of our prophet? Our missionaries there are a multitude. Not a day passes without new islanders joining our sacred faith. Pas sûr qu'il le fasse. There are certain pockets of resistance.
There is talk of a demonic cult. Disgusting creatures. But I am confident that the Ordo Luminous will be able to put an end to these horrors. And we have tremendous hopes that the entire native population will join our ranks. Ah si, quand même, attends, s'il y avait un truc qui nous intéressait, c'était quoi? Leur rapport avec la congrégation. What's your point of view on the relations between our two nations? As ambassador of Teleme, I can only rejoice at the mention of our commercial treaties. We appreciate as well the welcome that your uncle gave to our missionaries. C'est pas ce que je voulais faire. Thanks to your support, more and more believers wander your lands. The congregation is our most precious ally. To be perfectly honest, we have only two complaints. That heresy is tolerated, and that your treaties with the Bridge Alliance are maintained. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont en guerre contre eux, si j'ai bien suivi. How goes the conflict with the Bridge Alliance? Oui, c'est ça. Your territory is, alas, the only one that has been spared from the ravages of war on the continent. We fight on every front. Without great success, one must say. But what other choice do we have? These so-called savants not only refuse the light, but are determined in their fight against it. And on Tirfredi? To my knowledge, no one has yet seen any serious fighting. The bridge have succeeded in provoking the natives there, and have their hands full keeping them at bay. Which leaves us greater latitude to settle peacefully and pursue our mission of conversion. Ok, bon. On sait que c'est mal parti pour s'assagir cette petite guerre, quand même. May the light guide you, Desade. Parce que marrant, ces prénoms un peu français, alors que. Mais qu'ils ont un pur, pur accent britannique, quoi. Ah, il y a un truc à choper là ? Ah non, c'est le. Donc on était parti sur la quête des hérétiques. Se présenter au capitaine Vasco. Quête annexe. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Quête annexe. Négocier avec le fournisseur. Ah bah attends. Je l'ai pas vu celle-ci là. Négocier avec le fournisseur. Par là non. Attention. Vous pouvez bouger. Dégage. Non, t'es capitaine Vasco, non. Nous, ce qu'on veut, c'est négocier avec l'autre. L'autre naze. Alors. Ah oui, il est là. Good day, good sir. How might I be of service? You can start by explaining to me why you refused to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, sir. Of course, we're ready to honor the orders. Il est bien mal à lui, hein. I've already had a word with your. Master at arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, sir. I'm just an agent, and I'm only obeying orders. Demander davantage d'explications. Your master has apparently asked you to demand a second. That's right. He told me that their attendant seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain. It's nothing personal. I'm only following orders. Following orders? Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. Parler des autres marchands. Solicit other suppliers, Kurt. When we've already paid for the merchandise, if these thieves agree to reimburse the original payment, it's what we do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal.
You're demanding a second payment but refuse to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. Mais coupe-lui la main. Stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? Le menacer de la prison. Le menacer tout court. Proposer un pot de vin. Ouais. 50% menacé de la prison. Qu'est-ce qu'on se fait? Qu'est-ce qu'on se fait? Pot de vin, c'est rouge, donc je pense qu'on peut pas le faire. Bon, ouais, menacé de la prison. Alors. Lord Desade, nephew of the Prince d'Orsay and legate of the Congregation of Merchants. During our conversation, you explained to me that your master forced you to commit a crime. That's regrettable. Especially as you will be considered his accomplice in extortion, theft. You know as well as I that the congregation does not tolerate such illegal activities. But I'm only obeying orders. That is a shame. Well, as orders are the only language you seem to understand, I order you to return the guard the merchandise, without delay. Unless you'd rather your master is hung and that you finish your days in prison. I beg your pardon, sir, but you are not my master. Moreover, the attendant at the guard was quite specific, saying this affair should be handled with extreme discretion. So I seriously doubt that you'll be wanting to drag us in front of a judge. That would stir up the muck. Comment tu te fais bolosser? Your guess is as good as mine. Bon, c'est trop lourd. Chope-le et défonce-le. Your master is a thief. I have no patience for bandits and robbers. Either you give us back what's ours or we'll take it. Your idea of diplomacy isn't all that different from my own. To the devil with ya. Since you leave us no choice. The merchant's clerk isn't hearing your arguments. The only thing left is a show of strength. Sorry, Greenblood. And so you're back, sir. Don't count on it. We shall return. See you soon. Donc c'est qu'on peut récupérer la marchandise, parce que c'est sûr qu'on va aller... Ça va bien de se faire niquer par des vieux gars tout pourris. Et prince de machin. Tu te présentes en tant que prince et responsable de la congrégation et tu te craches à la gueule, quoi. Prince de que dalle, à mon avis. Ah. Ah putain, je me fais, je m'y fais pas, ces putains de. Ah, ah putain, les pauvres. Allez hop. Ah bah voilà. I'm counting on you to deliver this merchandise as quickly as possible. Yes, good sir. I'll take care of it immediately. Bah voilà, ça c'est de la diplomatie, ça. Nickel. On va pas s'emmerder avec des vieux connards pareils. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir là-haut? Ok. Et on descend. On descend, mais on va prendre l'autre quête annexe, du coup. On va aller chasser les hérétiques. Informer l'intendant à la caserne. Ah oui. On va faire ça aussi. Donc on n'est pas loin de... On n'est pas loin de l'autre quête. On va se faire ça du coup. Trouver le port. Très bien. Entrepôt des notes. Là on est au tout début du jeu, hein. c'est comme, comme tu peux le voir dans mon niveau. Ah, les zones contrôlées par d'autres factions. Cette zone est sous le contrôle d'une autre faction que la vôtre. Certains lieux où sont interdits. Une tenue
torse de la faction. Peut vous permettre de tromper les gardes. D'accord. Vous pouvez également tenter l'approche furtive. Et si un garde vous repère, vous serez attaqué à vue. D'accord. Genre là, t'as voulu y aller, quoi. Il y a rien qui te le dit, en plus. Ça, c'est Kurt. Ok, oui, c'est vrai qu'il est pas très discret non plus, faut dire. Le mec, il a un gros blason sur son... gros blason sur lui, forcément. C'est qui, lui? Monsieur de Courcy. Ah bah non, c'est lui, c'est... Ça, c'est lui qui nous fait partir. Monsieur de Cosselieu. Préparation alchimique empoisonnée. D'accord. Bah attends, mais il y a à côté ce passeur à la con là. Non, il est pas à côté. Ah bah si, il est là. Non, bah c'est raté. T'es malade aussi. I'm de Sade, the prince's nephew. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It's a ship. Not a boat. Apologies. Apologies for my asking, but the young governor isn't with you. He didn't come home this morning. I need to find him before departure. I hope nothing's happened to him or he hasn't changed his mind. The tide does not wait. Perhaps he simply celebrated his imminent departure with a little too much enthusiasm. Is everything ready? We're short a crew member. The cabin boy is missing. But have no fear, we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew? We don't need him for sailing or navigation. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure, like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink. And it's been 2 days since last he was seen. No, I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind. Ah bah finalement, il a du cœur. C'est bien, ça. L'interroger sur les hérétiques, ouais. Have you seen anyone wandering about? Suspicious looking. Maybe clandestine passengers. Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Maybe he could be of some use. Ah, tu m'étonnes. In the port jails, not far from the warehouses. Might I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaways? Parlez franchement de votre mission. On va essayer ça, on verra bien. Pardon. Happy to see that you trust me enough to seek my counsel in the affair. Just so happens that I heard someone talking about the couple. The cardinal's men are far from discreet. They're making quite some ruckus, asking to search our warehouses. We of course refused entry. Only the Nords have access. I'm sorry, Your Excellency, but I'm certain your potential stowaways aren't far. But we won't allow you to make a search to grab them. Not officially, at least. What do you mean? That discretion and malice are often more useful than titles and words. Ok. Lui parler à propos du mousse. Cabin boy for the last time. It's been 2 days since I've had any news at all. Cabin boy. Until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Okay. Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Nords, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. D'accord. Qui sont ses amis proches? This Jonas. Does he have any close friends amongst the crew?
In tradition, we are all members of the same family. But yes, there would be Flavio and Lauro. Might I have a word with them? As you wish. You'll find them over there, in port. Ok, très bien ça. You haven't heard anything about my cousin by chance, have you? To be honest, we were hoping to find him here. Did you say he was intending on celebrating his departure? My men spoke of a rather animated party that went down at the Coin Tavern, but I haven't heard anything else. That isn't the safest place in the city. I hope nothing has happened to him. Let's go and find him. Thank you, Captain. Happy to be of some help. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les notes, tiens, Freddy? Oh non, c'est bon. Allez, on s'en va. We need to have a word with that people smuggler the sailor mentioned. He's a captain, Kurt, like yourself. And in order to interrogate the smuggler, we'll need to find a way into his jail. Ah, tiens, y a un truc là. Ah oui, c'est vrai que maintenant il y a les pistolets aussi, j'oublie à chaque fois d'utiliser pendant les combats. Alors voyons voir où nous en sommes. Disparition chez nous, donc ça c'est le mec qui a interrogé le passeur à propos des hérétiques. Alors, où allons-nous devoir aller? C'est là-dedans, c'est sûr. Zone interdite. Ah. Il est discret. Qu'est-ce que nous allons faire? Salut, ça va et toi? Je veux pas. Mais ouvre cette porte, bordel. Ah. C'est ballot. Ça c'est très con. Voilà. Ah merde. Putain, je suis mort. On va lui, c'est peut-être pas plus mal. Charger la dernière sauvegarde. C'est peut-être pas plus mal. Ça va éviter de. Ah. Éviter de perdre de la réputation bêtement. Ok. Allons-y. C'est vrai? Ah bah écoute, tant mieux, parce que du coup j'ai commencé bah là, comme tu peux le voir. Et c'est un jeu qui m'avait un peu tapé dans l'œil par rapport à ce que j'avais vu en trailer et en comment ça s'appelle, en image quoi, en art, tout ça. Mais c'est vrai que je connaissais pas du tout l'histoire, je me suis pas trop rencardé sur le... Sur le toute l'intrigue, etc. Mais c'est vrai que le début a l'air pas mal. Tu sens qu'effectivement, comme tu disais, ouais, c'est pas trop un triple A et. Bon. Et ah oui, bien, putain, par contre, j'ai un peu de mal à me faire au système de combat, quoi. Je t'avouerai que les. Ah bah non, c'est au moment où je me soigne. Et du coup t'as pris quoi comme classe? Parce que du coup j'ai pris plutôt l'espèce de... Enfin la classe qui correspondrait à voleur. Bon j'ai un peu de mal, ça vous que c'est avec la... Magicien? Ah ouais, c'est juste le gameplay, enfin le... Je sais pas, des fois je trouve rigide le personnage quand même, vachement rigide. Plus facile à distance les combats, ouais, je viens de croire, ouais. Magicien, ça doit être sympa aussi, ouais. C'est pas là où je suis passé de toute façon.
Interroger Pazer, du coup je suppose qu'il est en bas si je vois la flèche. Cabon de marin, camp de marin. Ah, crocheté. Après, tu as... j'ai vu crocheté, du coup ça m'a parlé tout de suite. Ah, on va peut-être pouvoir l'équiper un peu plus correctement, notre pote, là. Non, mais surtout qu'en plus, j'ai toujours tendance à appuyer sur croix pour frapper, qui est juste l'esquive, donc évidemment, ça sert à rien. Évidemment, ça sert à rien. Voilà. Cabon de marin, non, ça sert à rien. Non, ça j'ai rien, c'est son... J'ai cru voir que j'avais un truc là. Ah bah voilà, très bien ça. Alors des gants, est-ce qu'il y a des gants meilleurs? Ah, qualité 37, non. Gants de marin. C'est pas terrible pour lui, d'accord. Et du coup après tu peux avoir un groupe un peu plus étoffé que deux personnes. Merde. Et putain. Bah gueule, là. Ah oui, non, c'est vrai que c'est avec le joystick. Ah, cabon de marin, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Un 3 maxi. Ouais, pourquoi pas, ouais. C'est vrai. Ah, j'ai une tenue de marin là. Chapeau de bandit. Est-ce qu'on a des trucs à prendre sympa là? Ramasser. Ah. Clé des géoles du port de C. Ah bah parfait ça. Ah bah donc du coup on va pouvoir l'interroger du coup si maintenant il a fini en taux de l'autre. Très bien. Eh merde. Oh putain. Hop, on s'en va du coup. Bien, je suis habillé en corsaire, ça se trouve, je fais peut-être un peu de... Le clout, il est pas vraiment habillé en corsaire, celui qui me suit. Entrepôt des notes. Ah, ok. Tu vois, j'ai pas leur chapeau non plus. Prison des notes. Ah bah voilà. Are you the smuggler? You snuck yourself in here just to ask me that question. If this is some sort of trick to get me to admit to some crime, you are truly twisted. You can see for yourself that I'm no naught. Come now. Are you the one I'm looking for? I'm already locked up. What more do I risk? Yes, I am a smuggler. But I'm not the only one in this city. I'm searching for a couple fleeing to Lame. They're trying to leave the city discreetly. Have they contacted you? You certainly can't imagine I'm going to answer you without getting something in exchange. Well, that's true. I don't think of my clients as kin, but I'd never betray any of them for free. Saint you are. How about your freedom in exchange for your loyalty? Tell me where I can find them and I'll open this cage. That works for me. You're too telemite. Ouais, sur PS4 Pro là. In a warehouse behind this very prison. They must be waiting for me. But you might want to be quick about it. If the Nauts get their hands on them, they'll find themselves in this same cage. Thank you. Anytime. And these doors? You're gonna open them, right? Ah, est-ce qu'on peut le... Come on now.
Ah, crocheté, voilà, parfait. Oui, oui, oui. C'est aussi propre que sur PC. Ouais. Toi, tu l'as sur PC? Je me tâtais à me prendre sur PC, puis. D'accord, le mec il voit deux gars random. Ouais, vous pouvez partir. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est dommage. Ouais. Ah merde, je sais qui m'a appelé. On va aller là-haut. On est sûr que des double A comme ça, c'est un peu. C'est comme j'avais pris Sinking City sur PC. Du coup, c'est vrai que tu voyais pas trop de. Tu voyais pas trop de différence. Avec la PS4, quoi. May the Illuminated save us. Did the smuggler send you? The man to which you are referring was arrested and thrown into prison. But reveal to me your hiding place. Oh, the traitor! Have you come to deliver us to the Inquisition then? Please, please, have pity on our souls. We have committed no crime. We are not heretics. We are nothing more than historians. In that case, why is the ambassador of Teleme so concerned about your teachings? Why is the Inquisition looking for you and why are you hiding? Our only error was wanting to publish our work. It's true. We presented our research, but it didn't please the censor. And here you have the result. We fled all the way to Serene, thinking we would be safe. But the Inquisition wants to silence us so badly that they followed us here. Ah, c'est vrai que tout à l'heure, Mazarin, il a l'air d'être un peu chaud sur la question. Leur projet, la possibilité d'une négociation avec Telem. Bon, alors, qu'est-ce que déjà il recherche? What about it is so horrifying that it would provoke such a fuss? Our work concerns the teachings of Saint Lucius, the disciple of Saint Matthias, the one who returned to Teleme after traveling with his master. The very same. His writing was carefully preserved, but never seriously studied. With the discovery of Teofredi, we thought it crucial to take a look at the original text. We wanted to verify if this island could have been the faraway place that he spoke of, the Eden of Saint Matthias. And what did you find? Teofredi is without any doubt the land that our Saint Matthias and his disciples went to. But the text that we discovered was radically different from what we expected to find. In the original text, Saint Lucius doesn't speak of an Eden, of the paradise of the Illuminated. He speaks of a voice came from the depths of the earth, which convinced Saint Matthias to stay there. It was written in black and white, and there is no doubt about it. The original was written in Lucius's own hand. I understand now what that text has cost you. This voice from the depths sounds more the power of a demon than a saint. The sacred texts are always difficult to interpret, but what is written is written. En tout cas, le doublage anglais est vraiment bien. Who were you hoping would give you asylum? We were hoping to reach Al-Sad. The Inquisition won't chase us into the den of their enemies. Our research won't interest the Bridge Alliance, or at least I doubt it. But at least we'll be safe. By entering Al-Sad as clandestines, you risk being taken for spies. That would be better than being burned at the stake. Ouais. Did you try speaking with the censors? You could
forget what you have discovered, perhaps. Oh, we have signed already an abjugation stating that we misunderstood the sacred texts of St. Lucius. We were even ready to say that we had never seen the true text, or anything else that would have pleased them. It served no purpose. It's our lives they are after. I see. Well, you have no other choice but to run and seek refuge in enemy territories. I beg of you, please do not deliver us to them. Let us continue on this path. Ouais, on va faire ça. On va les laisser poursuivre leur route. Leur proposer de parler à l'ambassadeur de... Oh là là, merde, j'arrive plus là. Leur proposer de parler à l'ambassadeur de l'Alliance. I could have a word with the good Dr. Sahin, the ambassador of the Bridge Alliance. If he can be persuaded to offer you asylum, you would be saved. Your goodness honors you. May the Illuminated forever light your path. If I manage to convince the ambassador, you'll need to refrain from that sort of blessing. Stay here. I'll be back. Ça peut être pas mal, effectivement. Ça peut être pas mal. Alors, on va aller le voir, l'autre. Je pense qu'on va finir cette quête et après, on va arrêter là. Parce que j'ai trop bricolé à faire, quand même. Ah oui, du coup, tu peux passer par là. Ok, très bien. Très très bien. Oui, c'est vrai que t'as raison, pour le prix. Carla Donny, t'as raison. Après, faudra voir la longueur du jeu, mais c'est très correct. Alors, attends, du coup, que je ne me trompe pas. Non, c'est de l'autre côté. Hein. J'étais descendu, je crois, tout à l'heure, non? C'était là-haut. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas y tirer dessus? Tiens. Ouais, tu vas pas voler celle-là. Ouais, je pense que ça allait vendre tout mon bordel quand même. Donc ça ne devait pas être là. Ah bah tiens, il y a l'autre enfoiré qui est là. Du coup c'est par là. Ça c'est chez Mazarin. Et l'autre, il est là-bas. On est voir Saladin, hein, il va être content. Mais j'adore quand même que tu rentres sans pression chez les ambassadeurs. I would like to talk to you about a rather delicate matter. I am listening. A couple of historians have made a recent discovery concerning Mateus, the founder of the mythical Teleme. And it seems that this is not to the liking of the Illuminated, or at least his more fervent subjects. These sinister hypocrites are going to want to burn them at the stake. Without a doubt. And that's why these poor people are begging you to offer them asylum. We are willing. Where are they to be found at this time? At the port of Serene. They were hoping to stow away discreetly on a vessel to Al-Sad. Very well. I shall send an escort immediately to take them somewhere safe. Bah c'est parfait tout ça. Ça va pas arranger les rapports avec Selene, mais bon. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Ça c'est les soirées de l'ambassadeur. Ah bah ils sont... Nothing. I hope you won't have too much difficulty adapting to your new country. If you would allow me, I would like to give you this.
It's not much, but it is all that we possess. Farewell. You have a kind heart, Greenblood. It'll be the end of you, but that doesn't bother me. I wouldn't have wanted those poor buggers to end up on a burning pyre. It would seem that I'm not the only one. Ah. Ah, du coup, est-ce qu'il m'aime mieux maintenant? Non, il n'y a pas écrit. Merde. Ah, Kurt. Ah si, Kurt. Ah, il est toujours méfiant. Ah oh, bah, d'accord. Après tout ce qu'on a vécu, mon bon Kurt, quand même. Putain, on a fait au moins un niveau. Voire deux, ensemble. On pex dans les rues de Seren, tu pourrais... faire confiance un peu. Ah, et du coup, il faut dire à Mazarin. Vas-y. Good day, Excellency. Sir de Sade, to what do I owe the pleasure? Il faut qu'on dise qu'on te l'a mise dans le cul. C'est ça. It pains me to inform you that the heretics you seek have fled. Curse them! How could that possibly have happened? Tire la vérité, bon, comment dire. Renegades have found protection with the ambassador of the bridge. Ah bah non. I would not have been able to capture them without risking a diplomatic incident that my uncle would have condemned. The bridge. I thought as much. Those heretics have turned to them. But I had hoped that you might intervene quickly enough to stop them. It is truly regrettable. We have nothing else to do but pray that the luminous... Putain, c'est chiant que tu puisses pas savoir ce que tu vas dire avant. Si je savais ce qui aurait dit ça, on aurait dit la vérité. On aurait calmé un peu. Non, du coup, ça, j'ai déjà tout fait, ça. I must be going. Farewell, Excellency. May the light guide you, de Sade. Ah, niveau 3. Peu à Kurt, trois niveaux qu'on fait ensemble étaient toujours méfiants. Ça me rend triste. Mes quêtes, alors du coup. Mes quêtes, le grand départ. Ah, il découvre, on se trouve Constantin, c'est vrai. Ah, quête annexe, attends, il y en a encore un autre, quoi. Négocier, ah oui, c'est vrai. Enquêter sur la disparition du mousse, toujours, ah oui. Et il faut que j'aille dire à l'intendant de la caserne que j'ai récupéré dans la plus grande diplomatie. Ce que l'autre enculé de voleur nous devait. Bonne tatane dans la gueule, ça c'est de la diplomatie. Ça résout toujours tout. Par contre, au niveau des ombres, tu sens qu'il n'y a pas de retracing. C'est... Sir de Sade, I presume. It is an honor to make your acquaintance. Captain, you set sail soon. Have you seen to our little business? Yes, we were finally able to recover your merchandise. Excellent news. I'm afraid, though, that your mission isn't completely finished, Kurt. Blast me, I'm a captain, not an errand boy. The commander was quite explicit. Very well. What do I need to do? The merchandise that you obtained needs to be sent to Tirfredi as soon as possible. But the port authority formalities for shipping take an eternity to wade through. And we've already lost quite a bit of time with this dishonest merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise and contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Excellency. Ah, but you don't mind asking that of Kurt? Well, now, if he finds an alternative solution that is less, illegal, that would be fine. The method matters not. But this cargo must reach the Isle on the next ship. Marvelous. Well then, I await your return with utmost impatience. I'm certain you shall do what's required. C'est sur ce nom de pourquoi t'es prince quand même dans ce jeu. T'es un prince aussi utile que la famille royale d'Angleterre. Quoi. Bon allez, on se casse. Ah oui. Welcome,
Allez, salut. On va surtout vendre, j'ai tout un tas de bordel qui me sert à rien. Alors vendre. Celle-ci, ouais, on va la vendre aussi. Hein. C'est moi ou Kurt, il s'excite un peu. Vieille pèlerine en cuir. Gant de médecin. Évidemment, tu résistes au poison, mais pour le reste. Du coup, je me retrouve avec 400 pièces hein, quand même. Ah, petit collier de crapauline. Génération de magie. Ah, c'est bien, ça nous sert à rien. On est content avec ça. Et ça, des consos. Ok, d'accord. Alors du coup, mais merde. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que t'as à vendre? Anneau de diacre. Du diacre, pardon. Ah, c'est pour les magies. D'accord, ok. Ah, l'espadon de l'ordaï, c'est pas mal ça. Il n'y a pas moyen de voir. C'est quoi ça, carré? Ah oui. Ah oui, changer de personnage. Voilà. Ah, mon petit Kurt. Ah voilà, c'est bon ça. Claymore piquée. Elle a combien cette arme? 142. Et j'en ai 423. Très bien. Un pack d'armes à une main. Ça peut être pas mal ça, l'espadon là. Ah, il est mousqué. Incompatible avec ce personnage. Mais non, putain, c'est un peu lourd. Hein. Oh, les dégâts de fou que tu fais. Fusil à silex réglementaire. Il prend cher, lui. Prérequis fusil. Ah oui. J'en suis peut-être pas là non plus, moi. J'en suis peut-être pas là. Et en armure, qu'est-ce qu'il a de beau, lui? Alors, qu'est-ce que j'ai pas? Ça, par exemple, je l'ai pas. Récupération de vie. Ah, bah, c'est pas mal, ça. Prérequis volonté 1. Ah, bah, c'est mort. Bah, écoute, merci à toi d'être passé. Hein, bon jeu. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, pourquoi j'ai pas eu le... C'est bizarre, ça. J'ai pas eu le... Le... Merde, comment ça s'appelle? Le notif, comme quoi tu t'avais envoyé 5 euros. Et puis écoute, je sais pas si t'es déjà parti, mais n'hésite pas à repasser. Ça fait toujours plaisir. On va se prendre la cape. Le ménage, on peut pas le prendre. Les bottes, ça c'est le genre de truc que tu loot autant que tu veux. Bon, on va lui prendre la claymore à notre pote là. Je sens un peu frustré de pas mettre des bonnes grosses mandales. Voilà. Très bien cette petite cape là. Ça c'est bon. Alors. Mais merde. Voilà. Là on est bien. Donc un moyen de faire passer les marchandises. En loose dé. Parce qu'on est prince, donc il faut évidemment faire passer tout en loose dé. Vraiment un prince de merde. Alors, c'est pas. Ah bah oui, notre pote. Vasco de Gama, là. Ouais, c'est pas pour ça qu'on est là.
back in time to make our scheduled departure. Is everything ready? I'm still without news of my cabin, boy. But we will have to do without. T'inquiète, on va le retrouver, ton cabin boy. I have a favor to ask before we leave. I'm all ears. We would like to load some merchandise into your ship's hold. Impossible. You're too late for that. All merchandise must be registered at the Port Authority, and the formalities are long. So, unless you're asking me to turn smuggler and hide contraband on my vessel... I wouldn't go that far. We're only talking about a few crates after all. Well then, they'll have to wait. The next ship for New Serene leaves in a month. Hellfire. If that shipment doesn't leave today, the commander will have my hide. Captain. I understand your position, but isn't there some way we can get these crates on board? I doubt it. Even if I wanted to help you, my quartermaster is a half-crazed bridge troll. He's gotten into his head that a gang of ruffians want to use my ship to pass contraband over to Tir-Fridi. He's placed guards where our cargo is being held before being loaded. All that is not in the warehouse and noted on the manifest will be left on the docks. Ah ouais, c'est ce qu'il nous reste à faire. Your crates are gonna have to wait until the next ship sets sail. Sorry, Kurt. At least we tried. The commander is gonna have my head. I'm sure that's what he wanted in giving me this impossible task. In that case, we're going to have to doctor the manifest ourselves. It must be at the harbor master's office. Ah voilà. Be back soon, Captain. Allez, salut. On va y modifier le manifeste, on est plus à ça après nous. Do you have any idea how to get in there without being noticed? Let's take a look around the building. We might find a less conspicuous entrance. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Où est-ce que j'étais monté tout à l'heure, moi? C'était là-haut, non? Je sais plus, attends, j'étais passé par un endroit tout à l'heure. Si, ça doit être ça, parce qu'après j'avais fait un tour... Pas un breuvage avec du somnifère. C'est bon ça. C'est bon, mais on sait pas comment le faire. Ah non, c'est pour aller dans cet entrepôt là que j'avais été. Ah oui, non, oui. Attends, on a pas appris encore comment. Comment fabriquer des bricoles là. Parce que c'est sûr que si on rentre là-dedans, on va se faire niquer. Where is the manifest to be found? I've already been to the port authorities. They keep the official documents upstairs. Oh, cette furtivité à toute épreuve. Ben voilà. Faisons cela. Voilà, on est bon. Bon, comme ça, on n'aura pas drogué l'autre. Voilà, ça c'est bon. Hop. Ils nous prennent plus la tête maintenant. Bon. Bizarre. C'est peut-être parce que je suis déguisé entre guillemets en marin. Du coup, je peux retourner voir notre ami le capitaine. Ça c'est qui lui? The way is clear. It's time to get going. Do your best to be quick and quiet about it.
You won't have much time to move it. Don't you be worrying now. We're off. The warehouse is at the end to the right there. You can't miss it. Move out. Quick steps. Merde, préparer un brevet avec du somnifère. Ah du coup on n'a pas besoin puisqu'on les a mis dans le... Mais non, c'est vrai, on s'en fout ça. Préparer le brevet avec du somnifère puisqu'on les a mis dans l'entrepôt et qu'on a modifié le manifeste. Du coup on va pouvoir aller voir notre pote. Parler en attendant à la caserne. Ah voilà, très bien. Bon, de ces quatre, on ira voir quand même comment on fait pour fabriquer des trucs. Hein, parce que... Alors, du coup, il est où l'autre? Ah, bah, ça va être là. Par exemple, l'artisanat vous permet d'améliorer vos armes et armures. La science vous permet de fabriquer des potions et des pièges. Vous avez besoin de connaissances pour pouvoir utiliser l'atelier. Pour en obtenir, augmenter votre talent, utilisez certains équipements ou compagnons pour vous accorder un bonus. Chaque point de talent vous débloquera de nouvelles recettes. Vous aurez également besoin d'ingrédients que vous pouvez acheter ou trouver en explorant. D'accord. Très bien. Objet de quête. Bouteille d'eau de vie. Potion endormante. D'accord. De toute façon, j'ai juste pas les niveaux qui vont bien, quoi. Non. J'ai une quête là. Ah oui, c'est la taverne de l'autre là où il fallait. Ah oui. Attends, je vais déjà aller finir la quête des armes. Parce que de toute façon, il faut que je fasse une petite pause. Alors, attends, où c'est qu'il était lui? Ah, tiens, un truc à loot. Un truc à loot. Donc c'est pour ça que t'as toujours plusieurs solutions pour faire des quêtes quoi. Ah merde, attends, il est où l'autre? Attends, ah. Où c'est? Parler à l'intendant? Bah si, c'est ça, oui. Oh, je le vois plus sur mon truc, lui. Pourquoi je ne trouve plus l'intendant? Non. C'est pas par là, ça c'est sûr. Mais où était-il? C'est la suite. Yes, that's Constantine's voice. It's coming from the upper floor. It sounds as if he's locked up. And I have a feeling they're expecting company. Be careful. The slightest itchy word to these brutes will have them drawing blades to scratch it. Negotiation may be the solution. As you say, this breed of brutes won't spit on ransom money. What a waste. I'd rather sneak around them than give half a coin to these seedy fellows. Bon, je pense que du coup, on va arrêter là, ce sera plus simple, parce que je ne vais pas retrouver la main sur l'autre. Et qu'on vient de trouver l'autre, même. Et qu'on vient de trouver Constantin, je n'arrive pas à retrouver la main du capitaine, à la caserne. On va faire quelque chose de plus simple. On va arrêter là. Parce que là, il faut vraiment que j'y aille, moi, malheureusement. En tout cas, merci d'être passé sur le live, et je vais trouver un petit raid où vous envoyer. Peut-être quelqu'un qui stream du Gridfall. Comme ça, ça vous... Après tout, vous êtes venu pour voir ça. Ah bah tiens, il y a Alditerm qui fait du Gridfall. Parfait. Allez, on va aller le voir. Du coup. Ah non, il héberge quelqu'un. Ah merde. Bon bah, il fait pas du Gridfall. Bon, on va le faire comme d'hab alors. Hein. On va faire Gridfall. Et une petite chaîne
en français. Pas nombreux. Tiens. Hop. Mets le chou. Voilà. Ah, par contre. Ah si, c'est bon. Allez. On va aller voir ce que ça donne. C'est long ce... Parfait. Allez, merci encore, à plus tard. Bisous.